Marcel, Marcel Molac. Vous pouvez m'appeler Marcel, les nous tutoyer, c'est pas un problème. Et puis, donc moi, je suis venu ici pour vous parler d'une chose un petit peu particulière, et peut-être que l'on vous en a déjà parlé avant que je ne vienne. Et donc, vous savez de quoi il s'agit? Vas-y, dis-le. C'est la tragédie des rois, il y a des sculptures. Ouais. Et nous, on va essayer de faire ça. D'accord, c'est un petit peu ça, ouais. On va faire des mobiles. Ouais, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, dans la partie qu'on peut appeler artistique, ce sont des sculptures qui bougent. Donc, des mobiles. Mais ça pourrait être aussi des mécaniques, parce qu'une sculpture qui bouge, ça peut être animé, ça peut bouger par une énergie mécanique, mais ça peut bouger, être animé par des énergies naturelles. Et les énergies naturelles, c'est quoi? Vous savez? Le vent. Vas-y. Le vent. Ouais. Quoi d'autre? Oui. L'orage. Ouais. Oui, oui. La pluie. Celle de... Ouais, c'est la pluie, c'est quoi? C'est de l'eau. Et les gouttes d'eau qui tombent par terre vont faire les ruisseaux, vont faire les rivières. Oui? J'ai attendu trop longtemps avant de venir vous parler. Il y a de l'orage qui tombe. Ce qu'on va faire ensemble, c'est fabriquer un mobile ou des mobiles qui vont pouvoir bouger avec l'énergie du vent. Lorsque je l'ai fabriqué, ce mobile-là, je pensais à un mobile en grande dimension. Donc quelque chose qui fait un peu plus de 4 mètres de haut et qui était fait pour que les gens puissent venir s'asseoir dessus. Cette petite plaque jaune-là, c'est comme un siège où les gens pourront venir s'asseoir dessus. Et quand ils viennent s'asseoir dessus, eh bien... ça fait changer la place du mobile, et puis il y a tout le reste qui se met en mouvement au-dessus, et du coup, la personne qui est assise là peut se balancer un petit peu en regardant comment ça bouge, en regardant les étoiles. Et du coup, ce mobile-là, ça s'appelle la balançoire céleste. C'est une balançoire sur laquelle tu es couché, et puis tu peux regarder les étoiles qui bougent. Cette brosse ici, tout de suite, le poids, il fait que la règle bascule. Si je change le point d'équilibre, tout d'un coup ça marche. Et du coup, tu peux mettre des choses beaucoup plus lourdes ici, et il existera encore un point d'équilibre qu'il va falloir trouver. Ça roule, c'est fait ce que ça roule. Oui. Madame, j'essaye de faire une, deux, trois, quatre, cinq tiges. C'est pour la dernière.
fait plein de mobiles qui sont vraiment tous super jolis. Bravo, continuez. Et puis continuez à en faire des mobiles. Hein. Quand vous allez au bord de la mer, ramasser les coquillages, ramasser les bouts de bois flottés, je vais réaliser un mobile, enfin je l'ai déjà commencé, mais un qui est un petit peu plus grand que ce que vous avez fait là, et qui va se trouver, grâce à l'association B2X, sur la promenade qui va entre Beaulieu et Loches. Et j'ai commandé un espace qui se trouve sur la rivière, et c'est un mobile qui sera animé par l'eau, parce qu'il y aura une partie qui sera immergée sous l'eau, et une autre partie qui, elle, va bouger avec le vent, qui sera animée par les courants d'air.